très Willys. Au tout début, c'est vrai que c'était très mal parti parce que le premier rendez-vous que j'ai eu avec un conseil, il m'a très gentiment écouté. Il a pris plein de notes sur mon idée d'entrepreneuriat. Et puis, une fois rentré chez lui, il m'envoie un mail en me disant « J'ai réfléchi, je pense qu'au vu de ta situation physique un peu particulière, il vaut mieux s'abstenir parce que l'entrepreneuriat, c'est un parcours du combattant. Donc en plus, quand on a un handicap, je pense vraiment que ce n'est pas une bonne idée. Donc à ta place, je me contenterai de donner mon idée à quelqu'un d'autre qui aurait à développer. » Donc c'est vrai qu'au début, c'était mal parti, mais je pense que c'était un peu l'épreuve du feu. En fait, je pense que le frein principal, c'est un peu qu'il y a, d'une manière générale, un soupçon d'incompétence qui pèse sur les personnes en situation de handicap. Ça vaut aussi dans le monde de l'entreprise, hein, c'est pas que dans le monde de l'entrepreneuriat, mais on a un peu l'impression, souvent à tort, qu'une personne en situation de handicap, elle va être moins efficace. En fait, ça c'est faux, et du coup, je pense qu'il y a vraiment deux écueils. Le premier, c'est de laisser en fait toute sa chance à une personne en situation de handicap qui en fait souvent a développé un potentiel ailleurs qu'une personne valide n'a pas. Et d'autre part, c'est pour les personnes en situation de handicap de ne pas s'auto-censurer. Parce qu'en fait, le regard qu'on a sur la société en tant que personne en situation de handicap, il est hyper important et il vaut la peine d'être porté. Pour moi, le plus important, c'est vraiment d'oser demander de l'aide, d'aller exposer à son réseau, à son entourage, les points de blocage. En fait, souvent, on n'ose pas trop quand on est bloqué parce qu'on se dit qu'on va paraître vulnérable. Et ça, en fait, je pense que c'est vraiment un réflexe à bannir. Au contraire, moi, j'avais vraiment observé que toutes les fois où j'étais dans une situation difficile, c'est vraiment en parlant et en sachant m'entourer des bonnes personnes qui elles-mêmes ont pu mettre à profit leur réseau.